Et salut à tous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, on venait de faire la vidéo. J'ai fait 1er et 4ème, 1 minute 24 lui, et j'ai repris beaucoup de temps sur les favoris. Bon, on va faire la deuxième étape, qui est l'Alpe d'Huez. On va essayer de la faire le plus vite possible, parce que mon père doit en mettre les deux après. Mini, ça va être long. T'as vu cette musique? Froome Quintana, Contador, favori d'étape. Moi non. Mais ouais, comme toujours. Alors, Contador, je prends. Elle met du temps. Je suis maillot jaune avec Contador, pardon. J'ai oublié de le dire. Je suis maillot jaune et pas toi. Moi je suis maillot vert, non, maillot, je sais pas, maillot blanc je pense, mais je sais pas. Non, t'es pas maillot blanc. Oui, je l'ai. Ah, donc là je suis à côté de toi. Je l'ai à côté de toi. Le chanté sera The Spitfire, il ne sera pas très content. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire avec toi. Ouais. Mais il le refera. C'est parce que Quintana est maillot à poids. Sinon, tu serais pas maillot jaune. Parce que moi, normalement, je suis maillot jaune. Il va poids, du coup, c'est lui. On laisse tout le temps. Tout le monde est fatigué, mais tout va jouer maintenant. Surtout, mais punaise! Fais attention! Monsieur. Non, c'est toi le monsieur. Prochain grimpeur 5 km. Enfin non, on le fait pas. C'est qui va passer en tête? Ah, tu le fais? Attends, il faut que je me place bien. Je suis 41e et toi 11e. Ça va t'arranger. Je suis maillot jaune. Ouais. Maillot jaune, il reste toujours dans le peloton. Attention. Elle, je dalle devant. C'est Pulval, Van Ander, Navarro, Serpa, Coppel. Et on remet la... Pourquoi tu cours? Non, on va perdre de l'énergie. Voilà, ok. On va perdre du temps pour la vidéo. Parce qu'elle va y être beaucoup trop longue. Les abonnés ne vont pas suivre. Dans les commentaires, ils vont te mettre. Oui, je sais. C'est à toi, ça. Ou Sagan, il a presque plus d'énergie. Ouf, oui. Regarde. Il pourra plus de disputer le sprint. Et à tous les autres sprinters, on ne peut pas. Et leur catégorie, c'est qui? De toute façon, il y aura l'Alpe d'Huez hors catégorie. Ah. Celle-ci, on la fera. Tu vas gagner? Ah, je vais essayer. Non. On arrive en haut du col du Glandon. C'est bon, on arrive en haut. Descente. La montée, je sais pas si elle va y être longue, mais je pense que oui. Elle va y être très longue. Hein. Quand ça grille, il arrive au 9e quoi. Quoi? Il arrive au 9e quoi. Après, il arrive à la colle. Ah non, le 2e, attention, Van Ander, tu peux le voir. Je donne les... Quand t'adores 4 points. Froome 10e. Ah, je fais 8e du sprint. Enfin, du truc. Catégorie. On fait le sprint avec quelqu'un d'autre, quoi. Non. Ça doit pas se gagner. Ils sont tous lâchés. Eh, pourquoi tu fais ça, là? Qui va gagner le sprint? De toute façon, le sprint, on va le vivre. Ah, tu veux le faire? Mais non, mais on va remettre pour se placer. Allez, on remet. Puisqu'il y a l'Alpe d'Huez.
Ouais. Bon, c'est Superfat qui gagne. Voilà quoi. Tu te mets avec ton favori, oui. Mais ouais. Comme toujours. Bon, ça roule fort, hein. Et là, on commence l'Alpe d'Huez. C'est juste avant l'Alpe d'Huez, en fait. Il y a ta soeur, non? Qui fait le boucan. L'homme de tête a 30 secondes d'avance. 30 secondes d'avance. C'est pas l'homme de tête. Ah oui. Il y a Jean-Christophe Pécaud. Bon, là, il nous voit qu'il relance. Je vais essayer de... C'est Jean-Christophe Pécaud. Oh oui, c'était juste là-bas. Je vais essayer de... Ils sont c'est... pas bien, le fou mini Bali. Non, il est juste devant moi, là. Je vais remonter, là. Ah, j'espère, toi. Il faut dépasser Quintana pour y aller au maillot blanc. Je dépasse avant. Moi, je suis maillot blanc, les maillots. Oh, il y a Chris Combe derrière moi, je vais suivre. Non, non, mais pas avec Jérémy Roy. Fais gaffe, t'as Chris Combe qui attaque. Dès le début, ce serait un peu bizarre. Non, il remonte plutôt. Rogers. J'emmène un train et j'arrive pas à remonter, j'arrive, je n'arrive pas. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Ah, je remonte. Attends-moi, attends-moi. Encore son ravito. C'est pas comme notre étape. Non, mais en fait, j'étais obligé de le prendre, ça, j'étais déjà foutu. Ou alors, j'allais pas être dans les 55 premiers. T'es dans les 55, t'étais dans les 55 premiers, la première étape. Même quatrième, c'est bien. Avec Bardet, c'est mieux que rien. Autant là, je me fais lâcher. Le train s'arrête, là. C'est qui, ça? Ah, c'est Pierre. 11,2 km encore. 11 km. Il y a Paul Zovivo? Oh non, il a lâché. Le peloton, on est plus que 38, 39, 23, 36 et maintenant c'est une échappée. Le 21. Ah, mais l'ancien vainqueur du tour, Alberto Contador, est l'un des tout meilleurs grimpeurs. Allez, ravito, Yuma. Attention surtout à ses accélérations. Déjà, j'ai plus d'énergie, je te dis. Et arrête de te mettre un grand plateau. On poursuit. Quintana, c'est vrai que t'es. Ah, Jean-Christophe Perrault. Bon, moi, si je sais qui prendre. Il c'est un grand plateau. Pardon. Tu m'as fait. Il est 17. Capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Ah bon? Je savais pas. T'as l'impression que ça va commencer à attaquer là. Ça prend moins. Moi j'attends, je suis maillot jaune. C'est pas moi qui devrais bouger. Mais moi. Ouais, c'est vrai. C'est un électron libre. Il peut jouer les. Ah, t'es grand poteau? Non, non oui. Enfin, là je me remets. Je veux que vous rouliez derrière lui. Il est dangereux pour cette première. Ah, moi. Derrière Pior aussi. Non. Porte! Ah oui, non. Des fois, c'est pas trop bien écrit. Quoi. Mais non, mais c'est juste parce qu'ils les ont pas autorisés à faire le bon nom. Vauclair, il s'appelle Vauclair. C'est comme Pierre Roland, il s'appelle Pierre Roland. Ouais. Chris Froome, Chris Froome. 9. Là, ça va réduire. Et en plus. Ah, puis nous lâcher. Bon allez, c'est quand ça attaque là. Moi j'attends. C'est un favori logique pour la victoire. Attends pas. Hein. Parce que moi, je sais pas si je vais attaquer. Attention. Qui? Moi? Mais peut-être échappé. Mais le leader incontesté de son équipe. Eh ben ouais. Ah, il y a deux Français encore. Moi et Romain Thibaut Pinot. Et maintenant il part en contre. Qui? C'est l'attaque en tête du peloton. Ah c'est peloton, c'est peloton. Mais peloton? Oh, on est plus que 8. Porte qui essaye d'attaquer. De rouler en fait. Allez, c'est quand que ça attaque. Très bien, c'est kilomètre, moi je bouge. C'est un outsider, il faut le surveiller. Il vise le général.
Afro, il faut que tu fasses attention, toi, hein, parce qu'il est derrière toi, en général. Ok. Ça serait bien que si tu fasses devant lui. Oh, mais juste... Mais où je devais attaquer, mais il attaque. On n'a plus d'énergie. Oh non, je suis en plein ravito! Oh non! Oh, c'est pas possible! Tout est possible. À part que je sais pas, que quelqu'un nul gagne tout. Ah, là, oui. Là, je sens bien, là. Il y a un grand plateau là, Froum. Moi aussi. Comment je vais agrandir un peu. Nous sommes nuls. Je veux que vous rouliez derrière lui. Il est dangereux pour classement général. Tu veux que je te donne le. Ah non, tu vas arriver derrière. Tu t'occupes de ta course, toi. Parce que... L'écart entre le groupe de Stylage. 11 minutes la vidéo. Il a l'air pas très bien, Froum. Ah ben non, en fait, c'est le contraire. Ouais, c'est moi qui a l'air pas très bien, en fait. Oh, il en remet une. Et il en remet une. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Il va me fatiguer. Ce Christopher Froum. Christopher Froum. Oh là, il est en train de me lâcher, là. Je vous vois. Enfin, je vous voyais. Enfin, je crois, non. Oh non, il va gagner. C'est la flamme rouge, encore un kilomètre d'effort. Allez, grand plateau, peut-être le lâcher. Deuxième kilomètre, allez, encore un effort. Allez, un effort. L'échappée est à un kilomètre de la ligne. Encore un effort. Eh oui, attention, attention, ça va se jouer en sprint. Victoire d'étape pour Alberto Contador. Deuxième victoire. Yes. Si vous mettez la caméra vers lui, il est en train de... Voilà. Ça, c'est cool. Non, allez. Je me fais défoncer. J'espère que tu vas finir sixième pour toi. Pas de ça, ouais. Peluchi, il était dans la chape d'avant à la pièce de terre. En raison de la vidéo qui est trop longue, on va pas vous montrer les classements. Et salut à tous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo demain.